Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'on est avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le soir. Bienvenue dans le premier sorti journal mi-temps journal pour ce maintenant. Déjà bonne semaine pour nous toutes avec TNH. On a démarré avec cérémonie qui marquait 215 l'année bataille avec hier. C'était hier dimanche 18 novembre 2018 là, dans occasion 1, président République là, Jovenel Moïse, qui était gagné à Cli, première dame République là, Martine Moïse, président, premier ministre Jean-Henri Séan, président Sénat République là, Joseph Lambert, président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, maître Jules Cantave, avec plusieurs membres d'un cabinet ministériel là, au état-major police national là, ils ont déposé un jet fleur dans le musée Panthéon national haïtien dans l'idée pour rendre un hommage à héros indépendants. Le président de la République là, Jovenel Moïse, a posé ça pour marquer date 18 novembre 2018 là, qui fait songer 215 l'année, dernière bataille qui t'a conduit à proclamation indépendance à pays à 1er janvier 1804. Tout de suite après, il finit fait dépôt Jeff Fleur dans le musée Panthéon national haïtien, chef d'État, et signé Livre d'Ora. Et après signature Livre d'Ora, président Jovenel Moïse, ensemble avec l'autre officiel dans l'État, première dame, président Sénat, président CSPJ, premier ministre, est après assister à parade plusieurs unités dans la police nationale. Toujours pour marquer 215 années bataille avec Thierry, président Jovenel Moïse prêchait tête ensemble dans mi-temps toute petite pays. L'ascenseur, ça, chef d'État a invité divers acteurs de la vie nationale là pour protocoler au soir, coopérer pour capable répondre à l'idéal ancêtre. On a suivi un bout d'un message président Jovenel Moïse qui adressé à la nation hier dimanche. Ça fait 215 l'année. Depuis 100 ans, 7 nous y ont été coulés dans Vetier. Pour moi, même avec vous, te carré les jours d'hier, haïtien. Ça fait 215 l'année, depuis une série de jeunes femmes, avec jeunes garçons, qui ont décidé de braver baïonnette, braver coup de canon, pour chaque haïtien, te carré vivre tant que même. Pour chaque monde sur la terre, quel que soit, coulé pour vous. Femme, coup garçon, riche, coup pauvre, nèg en haut, coup nèg en bas, sans pièce de discrimination pour tout le monde vivre tant qu'au monde. 18 novembre, c'est jour pour nous dire au champ pour ancêtres nous. C'est jour pour témoigner la reconnaissance devant le monde entier pour gros coquin chaîne sacrifice ancêtres nous ont fait. 18 novembre, c'est jour pour nous, chaque haïtien. Mais de tête, nous, qui ça n'a pas fait? Qui ça nous a fait pour honorer le bel pays? Dans cette nous, qui était pour nous. Dessalines, Christophe, Pétion, Capois, Gabar, à tout l'autre, te bataille pour nous gagner la liberté. Yo te bataille. Contre force fait noir qui te vle kembe nous dans chaîne esclavage. Aujourd'hui, nous pas esclaves encore. Grâce à Haïti, pas gen pep dans la région, ni dans le monde là, qui est esclave encore. Aïe bobo pour ce sept nous. Frem ak sem. Les batailles la fini. Jodia, c'est l'air pour nous coopérer. Ça veut dire, c'est l'air pour nous mettre tête ensemble pour casser chaîne sous-développement, chaîne blackout, chaîne la misère qui fait quelqu'un dans nous qui a envie de oublier ça. C'est l'air pour nous coopérer, pour nous bâtir un Haïti qui fait fierté dans cette nous. Un Haïti qui fait fierté nous. Fierté petite nous, à petite nous. Nous pas tromper nous de route. Nous pas oublier côté nous sorti. Nous comprendre bien. Nous comprendre très bien côté nous y. Nous pas oublier côté nous aller. Mission nous, c'est casser chaîne sous développement.
chaîne sous-développement m'a connu avec monopole dans avantage d'un petit groupe qui fait la misère à fleur. Chaîne sous-développement m'a connu avec l'esprit intolérance pour s'y mettre d'ailleurs dans mi-temps peuple là. Chaîne sous-développement m'a connu avec l'esprit antidémocratique pour créer instabilité qui a plongé peuple là dans plus misère. Chaîne sous-développement avec instabilité, c'est cocotte avec Figaro. Peuple haïtien, réveillez-vous. Pas quitter amateur, zak crasé, brisé, retirez-nous sous chemin démocratie. C'est notre tête ensemble, dans la paix, avec bon gens comprendre, pour nous arriver à ces chaînes sous développement qui fait depuis plus passé 60 ans, petit pays a obligé traverser la mer, traverser frontières, aller caille voisin derrière la vie mieux. Chaîne sous développement m'a connu avec instabilité pour craser production nationale, empêcher peuple de manger dans l'assiette à cob dans poche. N'a travail pour chaque haïtien vivre plus bien. C'est ça nous te promettre, c'est ça n'a fait. En nous cultiver l'esprit vertier. L'esprit vertier, c'est courage, solidarité, détermination à coopération, yon à l'autre. L'esprit vertier doit continuer à nous courage pour nous mener combat pour indépendance économique, et stabilité politique avec la paix sociale dans le pays nous. Parce que nous tous ces haïtiens, l'union fait la force, les nous diviser, nous vînons plus faibles. En nous rester collés, yon ak lot, en nous coopérer pour bâtir yon Haïti, côté chaque haïtien a ka vivre plus bien. En nous coopérer, même gens ak zansèt nou yo nan vetye, pour chaque monde sous terre ça ka vivre tant que monde. C'est une nécessité et une obligation pour nous parler de la clotte, même si nous n'avons pas d'accord sur toute bagarre. C'est dans un bon genre de dialogue que nous arrivons à joindre une solution pour mener le pays sur la route de changement tout bon vrai. Voilà pour un bout de message à président républicain Jovenel Moïse dans l'occasion commémoration 215 années bataille vertière. C'était hier dimanche 18 novembre 2018 là. Nous parlons quoi aller là dans le Parlement, particulièrement dans le Sénat républicain avec le président Sénat Joseph Lambert qui a annoncé l'Assemblée sénateur à Paris pour recevoir demain Madian, membre conseil supérieur police nationale CSPN sécurité PIA pral nan mitan discussion yo selon président Sénat Joseph Lambert qui t'a préparé une question collaborateur nous yo fait venir confident avec Joseph Moïse Ulbich. La commission justice et sécurité du Sénat est en consultation, en dialogue, en échange sérieux avec le CSPN, et hormis membres de la CSPN qui n'est pas présent en Haïti, pour être capable de garder ensemble le plan de sécurité pour 18 novembre. Nan. 18 novembre, nan, tant que 17 octobre, tant que n'importe qui l'autre jour manifestation a fait et que a annoncé la police, on joue tant que tout jour. Sauf que bruit autour de questions qui fait, descendre drapeau bleu rouge, mettre drapeau noyé rouge et autres, etc., fait que CSPN, pouvoir exécutif la plus particulièrement, il accorde une importance particulière à ça. Et nous-mêmes tout, comme sénateurs, assemblée sénateur, il est important pour nous connaître qui ça a gagné dans le plan. Mardi, c'est gros bagaille qui a gagné ici. Et gros bagaille qui a gagné ici, parce que le CSPN au grand complet à présent, pour nous compte rendu et détail avec les détails sur toute action qui entreprend.
Il y a des sénateurs qui pensaient que nous avons fait la huis clos, nous dit pas question, la sécurité nationale, hormis plan de sécurité, et bien sûr, il concerne chaque haïtien sans distinction. Nous avons fait séance en séance publique. Nous avons gagné tout par la même occasion pour nous prononcer nos taux sur les deux autres sièges à la Cour de cassation. Le rapport est fin prêt. Gagné 7 candidats potentiels qui potentiellement qualifiés. Et le Sénat a gagné pour les prononcer les sur 6. A bien Youn qui n'est pas retenu. Et dans deux listes de trois que nous avons transféré par exécutif là. Et une fois que nous avons transféré par exécutif là a gagné tout siège au grand complet dans le même. C'est ça qu'on doit faire procédure régulière. Voilà pour précision, président Sénat République, là, Joseph Lambert, qui a annoncé à l'Assemblée sénateur à Paris pour rencontrer demain mardi, hein, membre conseil supérieur police nationale CSPN, là, pour discuter questions sécurité diverses régions en dans pays. Nous prenons quoi là dans OAVCT, Office Assurance Véhicule Contière, qui a lancé un spécial. Spécial ça, aptamé 20 novembre, cabine là, le concerné chauffeur qui besoin renouveler assurance et qui doué plusieurs années. Directeur général OAVCTA, Fritzien Benadel, pour expliquer sens activité ça, le micro Herbie Casseus avec Hervé Pierre. Déroulé, n'a tout bureau OAVCT. Décision ça, rentrer dans la logique pour encourager tout le monde à mettre en règle avec OAVCT. On a profité de l'occasion ça tout pour nous présenter, by la presse, vision, direction générale là, qui permet de nous redresser l'institution. Dans l'intérêt de la population et tout personnel. Nous avons déjà commencé à appliquer la vision ça qui gagne 10 points la donne et qui cadre avec la vision administration Moïse Séan. 1. La mise en confiance des employés de l'OAVCT. 2. L'amélioration des conditions de travail des employés. 3. L'amélioration de la qualité du service à la clientèle. 4. La projection d'une meilleure image de l'OAVCT. 5. L'établissement de nouvelles stratégies pour aider à augmenter les recettes de l'OAVCT, notamment la mise en place de la carte de sécurité routière. 6. La contribution à la lutte contre l'insécurité publique et la criminalité en collaboration avec la PNH et la DGI. 7. La mise en place d'un système de sécurité de l'OAVCT fonctionnant 24/24. 8. L'ouverture d'autres bureaux régionaux dans des zones à forte potentialité économique. 9. La poursuite de la réforme structurelle de l'OAVCT. 10. La révision de la grille salariale des employés. Fritzner Bernadel, c'est directeur général Office Assurance Véhicule Contière OAVCT, qui t'a présenté agenda et session la dirigé. Il parlait tout sur spécial ça, spécial pour nous qui gagne plusieurs années et puis pas renouveler l'assurance. Et bien, tranche là, c'est 20 novembre, 20 décembre. 20 novembre, 20 décembre. Tout le monde qui souhaitait gagner plus de précision sous spécial ça, OAVCT, la séance capable de passer dans divers bureaux institutions pour capable de joindre toute précision. Ministre Commerce et Industrie, Dr. Ronel Gilles, a annoncé lancement d'un programme qui porte nom Crédit à tes plates. Programme ça, il vise à accompagner jeunes qui sont dans le quartier populaire qui voulaient monter propre business. Ministre Ronel Gilles a expliqué dans le micro Stéphanie Charles avec Michel Joseph.
Bientôt, nous allons procéder au lancement de un nouveau programme de crédit pour les jeunes que nous relais nous-mêmes, nous relais Crédit à Terre Plate. Crédit à Terre Plate, là, c'est un projet que nous mettons sur pied pour venir en aide à une catégorie bien spéciale de jeunes qui trouvaient dans les milieux défavorisés, dans les zones marginales de la capitale, de l'Ouest en particulier, pour nous capables de faire des prêts. Ça a un petit business déjà, ce n'est pas bagaille qui, c'est pas de gros entreprises, mais qui avec le temps, ça dépend de et j'en ai dédié à ça, qui est capable de faire des entreprises. Parce que il y a une expérience qui fait ailleurs, il y a que ce n'est pas forcément quantité l'argent de départ là qui est déterminant. C'est l'obstination à vouloir réussir qui est plus déterminant. Donc ceci étant dit, nous-mêmes, le président, le souci pour être conforme avec ça, promettre, décider que la mettre sous pied, indépendamment de l'autre programme nous gagnons, parce que ça a des gros effets, on dit conjoncturel, tout, parce que nous constatons que gagnons une situation de crise alimentaire, de crise sociale, de crise toute qualité. Donc maintenant, pour ne pas laisser de côté une catégorie vulnérable, c'est pas moi qui t'a besoin de jouer un crédit aucun côté, parce que c'est tellement vrai que nous parlons des gros bagailles. Nous demandons un carte d'immatriculation fiscale ou bien un carte d'identification nationale et puis avec des numéros de téléphone. C'est pour vous dire que ce sont les conditions prévues avec photo naturellement. Ce sont les conditions que nous-mêmes nous prévoyons pour avoir des crédits. Ça, c'est parce que nous connaissons que en dehors de conditions, ça est très difficile. Pour que ça nous vise, parce que ça que le président a en tête, qui a besoin, qui a nécessité, est capable de jouer un crédit. Et c'est avec précision, ministre commerce et industrie, Dr. Ronel Gilles, l'a mis en route dans la première tranche journal Mita Journée. Nous parlons pour nous observer en pause. Restez avec nous, il y a l'autre information qui a venu. Tout de suite. Merci à vous, parce que toujours été branché, télévision nationale d'Haïti n'a pris en direction sud PIA, côté travail, construction, tronçon Carrefour méridien du Sisla a avancé. À ce sens-là, président de la République, Jovenel Moïse, fait une visite un week-end qui se passait pour garder l'état avancement de travail. Travail qui est déjà arrivé dans le bureau, deuxième section commune Tobek. Pour plus de détails, nous prenons l'invite au suivi un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. C'est environ 6 km route qui asphalté, sorti Carrefour Méridien pour arriver Carrefour Bérou dans la deuxième section Tobek. Zone ça pendant longtemps était un problème pour les gens qui utilisaient l'eau. Je ne j'en dis pas, c'est une grosse satisfaction pour la population ça. C'est des bagailles qui te fait nous piler de l'eau ici, poussière à la misère. Pourquoi les gens qui perdent la vie dans la jambe de l'eau la pile, si je dis à la bonne qualité pour ça, si vous retirez nous dans la poussière ça, continuez bataille là avec nous contre la misère. À bas poussière, à bas la misère. Construction route ça a exécuté dans quatre caravanes de changement dans le département sud pays. La privée dans diocèse. Pour le président républicain Jovenel Moïse, ce n'est pas seulement respect promesse qui a été fait dans le sud, mais tout c'est un message pour montrer nécessité pour tous les citoyens de mettre tête ensemble pour le développement Haïti à tout niveau. Nous tous ensemble, nous mettons mais c'est pour ça que nous voyons comment nous parlons aujourd'hui. Nous parlons qu'Azek, Azek, délégué ville, député, sénateur, magistrat. Tout le monde est là, nous tous. C'est dans l'élection qui est allé. Je dis à Mab Dino, ensemble, nous avons besoin parce que le pays a les besoins de tranquillité, le pays a les besoins de la paix, le pays a les besoins de l'autre là pour nous aller côté de Boile, côté qui est le développement, côté pour nous goûter la misère, goûter sous-développement, côté pour nous goûter la division. Division ça qui prend nous plonger nous, la plonger descendre, la plonger descendre. Je dis à ce pour nous dire qu'on camper pour nous dégager, nous pour nous commencer à monter.
Construction route Kafou Méridien qui a privé du 6 là vient ajouter sous divers autres projets administration président Jovenel Moïse là déjà réalisé dans le département sud là tant qu'au construction route Camperin travail curage à Candigment la ravine madame samedi pour une cité ça au seulement. Merci en pile Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay qui t'a aidé nous suivre visite ça président Jovenel Moïse fait vendredi se passé à regarder qui Jean travaille avancé sous tronçon Carrefour Méridien du 6 travaille qui déjà arrivé dans bureau deuxième section commune Torbeck. L'autre point dans le journal ça visite premier ministre Jean-Henri Séan hier dimanche là dans centre renseignement la police là chef gouvernement était avec lui plusieurs ministres plusieurs membres dans cabinet ministériel là. C'était l'occasion pour le Premier ministre Séan, Chita Palé, avec un responsable de la police, et puis garder ensemble un problème. L'institution a fait face, mais tout féliciter eh bien, et PNH là pour le travail qui a été accompli pour le journée 18 novembre 2018. Là. Je vais vite suivre une après l'autre précision. Premier ministre Jean-Henri Séan, avec le commandant chef PNH là, Michel-Ange Gédéon, le micro Anne-Marguerite Auguste, avec Junior Avril. C'est une visite que nous rendons la police. Le, nous sortons sur la rue hein, et le, nous entendons comment, dans quelle ambiance manifestation a déroulé avec l'encadrement et l'accompagnement de la police de manière très professionnelle. Nous avons regardé comment la rue a organisé les jalons posés par la police pour contrer tout le monde qui voulait faire des ordres, mais pour l'encadrer tout le monde et sécuriser tout le monde qui voulait vraiment manifester sans violence. Eh bien, nous avons décidé de rendre la police une visite, non seulement pour féliciter eux, mais garder avec eux, parce que nous connaissons pile limitation, il y a pile problème dans matériel la police et avec nos amis étrangers dans le partenariat avec la Minijust, nous rendons compte que la police a fait un travail extraordinaire de professionnalisme que nous ne pouvons jamais voir et tout le monde constate depuis ce matin comment les routes sont organisées, comment la police a évolué et comment la police entend que les gens manifestent dans leurs droits mais sans que ne pas arriver à faire la violence. C'est certain, il y a des gens qui essayent de faire des bagailles. Mais la police toujours était tête frette. Nous voyons, ils provoquaient la police, ils provoquaient le monde. La police était tête frette avec la commande qui fait ici là et le relais qu'a fait entre la direction générale, le haut état-major et toute unité dans la rue. Nous voyons ce bagaille professionnel qu'a fait. Nous sommes tenus à féliciter le haut état-major, le directeur général de la police, à remercier aussi les partenaires étrangers qui sont avec nous et qui a gardé, qui a évolué avec nous. Nous sommes tenus à faire ça et puis nous profiter, faire une visite et relever avec les guides de la police tous les petits problèmes qui gagnent pour que nous soyons capables de résoudre tout de suite. Donc nous ne pouvons pas comprendre que la police, avec très peu, a réalisé autant. Mais là, m'a dit nous sincèrement, le gouvernement déterminé pour que nous renforcer la police chaque jour plus pour que le pays soit capable en paix. Parce que ça n'a pas gardé là, il n'est pas belle, moi, on a crasé, brisé, crasé, machine, mettez du feu. Son pays capitaine pour le monde là-dedans. Son pays capitaine les visiter. Son pays capitaine tourisme venu. Son pays capitaine investissement venu. Pas grand 15 gens investissement venu. Pas grand 15 gens touristes venu. Là que c'est dans ça nous y est tout le temps. Il y a le temps pour nous comprendre. Violence ça va mener dans quel côté. Manifester, c'est normal. Tout le monde qui doit manifester, c'est un attribut démocratie. Mais manifester sans violence, c'est ça qui doit la règle. Et c'est ça que nous souhaitons que tout le monde comprenne. Jodia, nous voulons, encadrement la police, bâille tout le monde confiance. Pas une raison pour nous comprendre que vous capable de venir à la manifestation, c'est des ordres vous faites. Et si c'est des ordres, la police va mettre l'ordre. Pour comprendre que nous gagnons une ligne, une administration, Moïse a gagné une ligne dans le comportement et dans le message que nous avons envoyé. Et dans le désir, dans la volonté de rencontrer tout le monde, de faire tout le monde dans des raisons. Chosia, l'heure est à la raison, l'heure est à la compréhension, l'heure est à la solidarité, l'heure est à la fraternité. C'est ça que nous cherché. Message, moyen. En ce sens, pas différent de ce que le président dit. C'est ça, c'est bataille pour nous, c'est combat pour nous. Regardez le comportement de la police. C'est la même chose. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Haïtiens. Nous faisons pour nous vivre ensemble. Il y a des règles, nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est normal. Dans la diversité, nous avons construit un plus bel pays, mais dans le respect des droits l'un l'autre. Et c'est ça que nous avons demandé. Nous demandons de quitter notre travail, revendiquer, critiquer nous, parler avec nous, pas de problème. Mais en respectant les règles, les règles de la démocratie.
blessure par balle, il y a une monde qui a été par balle, qui nous a dit que ça. Dans le nord aussi, il y a. Et dans tous les deux cas, la police n'est pas là. C'est ça la bonne nouvelle. Et pour y passer dans la zone Saint-Pierre, il y a deux informations pour la communauté dans le travail sur là. Parce que même j'ai automatiquement une information sur ça. Si nous avons demandé IGC, le secteur de la chef-là, pour lui, pour une équipe avancée. Et c'est fort du premier travail que vous faites avec la communauté. Il y a deux hypothèses que nous avons travaillées. Une, si on a sorti un de la piste, et l'autre là, il travaille en agent de sécurité. Donc c'est deux pistes qu'on a exprimées. Sécurité, donc c'est deux pistes qu'on a exprimées. Mais il vérifie le confirmer dans le nord, c'est un agent de sécurité. Si on a la même malheureusement, on s'en est décidé à faire. Et c'était une occasion pour nous pour nous déraper avec le parti. Même gens qui au niveau BNH n'a pas fait l'effort pour ne pas arriver dans l'usage excessif de la force. Pour dire que les âmes, suivant toutes les instructions basées, pas nous utiliser n'importe comment. On a demandé pour l'agence de sécurité de faire des consacres. Pour ne pas faire les âmes et tirer, etc. Tant bien que mal, on a essayé de réunir. À travers les régions du pays, une bagarre ça c'est correct. Si nous acceptons dans le nord, non, ni donc vice délégué à l'immunité par balle. Non, non, nous avons policier qui est touché par balle, qui montre que le mouvement ça n'a pas fait avec tout. Et j'ai annoncé le temps passif, il n'a pas fait comme ça, oui, parce que dans des endroits, il y a une violence, notamment dans l'eau avec dans capable d'évacuer facilement avec du moins nos activités avec les fils délégués et gagner des tirs d'armes automatiques. Parce que voilà la police même qui est obligée de notre disposition capable d'évacuer. Voilà, c'est avec précision, Premier ministre Jean-Haïtien et puis directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon, a metté en bout dans le premier sorti journal mi-temps journée pour semaine ça. Merci en pile parce que vous avez choisi TNH pour informer vous. Restez avec nous pour reste programmation. Hein. Prochain rendez-vous avec sa nouvelle là, c'est à soir à 7h pour téléjournal là. Bonne semaine tout le monde.